Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Figure Out Québec. Aujourd'hui, on est au Mont-Saint-Anne et on fait un petit défi personnel. Aujourd'hui, le concept du vidéo, c'est pas compliqué. On est au 4 à 7 du Mont-Saint-Anne. Donc, quelques vendredis dans l'année, le Mont-Saint-Anne va garder la gondole ouverte de 4h l'après-midi jusqu'à 7h le soir. Donc, un bloc de 3h de bike de plus. Qu'est-ce que j'essaie de faire aujourd'hui? C'est pas compliqué. J'essaie de faire le plus de lap possible dans une journée. Donc, préalablement, cette semaine, j'ai fait deviner les gens à savoir combien ils pensent que je peux faire de lap dans une journée. Je vais être bien honnête, j'en ai aucune idée moi-même. Fait que ça va être une surprise pour tout le monde. Ça fait que j'ai fait voter tout le monde à savoir combien de laps ils pensent que je peux faire dans une journée complète. De 10h le matin jusqu'à 19h le soir. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 15 ou ça peut être 27 comme il y a du monde qui ont dit. Ça fait qu'on essaie de faire le plus de laps possible. Ça va être des petites modifications de lap qui incluent... Wow! Un nosedive, excusez! La Vietnam, la baptême, la grisante, peut-être faire un petit peu de tordu. C'est des laps qui prennent à peu près le même genre de temps à faire. Fait que ça comptera pas tant que ça sur le temps principal, on va dire, sur le temps moyen. Mais on n'ira pas faire de double noir parce que c'est assez demandant physiquement. Puis honnêtement, je veux dire, à 6h le soir, ça va être carrément dangereux. Fait que, patin grisante, Vietnam, peut-être un peu tordu, comme je disais. Et on essaie d'en faire le plus possible. Numéro 2. Présentement, dans le début baptême, ça va être une bonne partie de nos laps pour aujourd'hui. Je passe encore une section de Vietnam de fermée. Ils sont en train de faire des rénovations dedans. Fait que, à moins que je pogne le petit chemin de la rigolo dans la tordue pour aller connecter avec ce que je vous ai montré cette semaine, le début baptême va pas mal être mon itinéraire de la journée. J'ai l'impression que ça va être une journée très difficile. Pas que j'ai pas confiance, mais il est 10h30 et c'est déjà extrêmement humide. Je pense que la journée va être très chaude. Ça sera pas facile avec le pouce foulé. Ça sera pas facile avec la colonne. Mais, comme on dit dans un bon anglais, the show must go on. Alors, numéro 3. Je sais pas si j'ai filmé cette partie-là, je pense que oui. Je me rappelle qu'est-ce que j'ai filmé, qu'est-ce que j'ai pas filmé, mais bon. Troisième descente, le moral est bon. J'ai jasé avec Karine et Sabrina dans la gondole qui m'encourage dans mon petit projet qui, je crois, mise sur 13 descentes. Voyons voir si ça va ressembler à ça. Évidemment, sachez que j'ai pas de parti pris envers personne. J'ai comme pas essayé de me rappeler qui a dit quoi. Mais je vous rappelle que je vais essayer de faire le plus possible. Alors, ça va être une petite full Vietnam probablement. La main fait foutrement mal. Mais bon. Hop. Ah. Je suis presque capable de tenir mon guidon, regardez, comme un adulte. Je suis capable de tenir comme ça un peu. Les sauts comme ça vont faire mal. Mais bon. Je vais en être à ma quatrième semaine de pouce foulé. Ma guérison s'en vient très bien. Je commence à faire un petit peu ma petite physio. Numéro 4, on sort un petit panorama débordant pour changer le mal de place un peu. Alors, quatrième lap, le moral est très bon. La main fait foutrement mal. J'essaie de enlever un petit peu de pression dans le pneu et baisser ma pression dans ma zèbre pour essayer de mettre ça un petit peu plus ploche. Peut-être que je suis rendu à faire mon 50 heures sur ma fourche, je pense. Fait qu'on prendra pas le début risante parce que ça va être foutrement trop long. Mais ici, le début de baptême est pas mal même genre, ow, de longueur en termes de temps que la Vietnam.
Ah, j'ai genre une gabe dans mon casque, c'était Chris. Deux demi-heures section de baptême. Je ferai pas ça souvent aujourd'hui parce qu'il y a une petite affaire de pédalage à faire dans le Vietnam, mais bon. Ça va vraiment changer le mal de place. Ah. Ça. Cinquième descente. Le moral est très bon. La main fait très mal. Mais c'est pas si pire, c'est un petit peu mieux que tantôt. Un petit peu de pression dans la fourche, j'ai un petit peu plus de sensibilité, puis je pense que ça a beaucoup aidé. Rapproche un peu les manettes de frein. La main est moins ouverte. Donc là, ça semble aller vers le mieux. Et on va finir ça avec une petite fin. Vietnam. Évidemment, quand vous arrivez ici, là, dans le basse Amazon, là, faites votre stop, là. C'est pas... Oh, j'ai le temps. On arrive à genre 50 km/h ici, là. Tu dis pas, comment on arrive moins vite? Ouais, mais c'est une piste de descente. C'est ça le but d'une piste de descente. Donc, tu conseilles pratico-pratique. Sixième Yalap, ça va être la grisante cette fois-ci. Encore dans un moment de la journée qu'il n'y a pas grand monde, on va en profiter. Ça commence déjà à se remplir un petit peu plus dans les pistes, le monde commence à tomber en congé à partir de midi. Fait que ça me donne à faire une petite fois dans la journée, elle sera faite. Le moral est bon, la main va mieux que tantôt, pour vrai. On va rapprocher la manette, ça va beaucoup aidé pour le hump pump. Fait que... C'est ça, on est rendu midi et demi à peu près. J'ai comme pas l'heure live en descendant. À date, ça va super bien. Oh, ça sent bien sketch gapé ça, hein? Fait que ouais, le bac va bien, le moral va bien, on continue. Bon, septième lap. On va passer dans le tordu. Pour cette fois-ci, ça va faire un changement. Oh, j'ai mal de place un peu aussi. Ah, j'ai oublié la ligne Strava à gauche, fuck. Ça va bien, le monde commence à arriver tranquillement. J'ai croisé Vicky et Jean-Claude d'un gondole. Pareil que les conditions sont très belles dans les doubles noirs. Malgré la tempête de 100 mm de pluie la semaine passée. Fait que c'est ça. Doit être pas mal dans le coin de 1 heure, je crois. J'ai comme pas checké l'heure encore. Je sais pas quand est-ce que le corps va casser. Hâte de voir. Bon, la 9e. On va changer de piste un peu parce que là, ça marche pas. On va aller faire un petit tour du voir comment que ça va. Parce astifi que la main fait mal. Pour vrai, j'ai de la misère à tenir mon guidon. Je fais à Vietnam puis rendu à moi aussi. Je suis plus capable de tenir mon guidon. Fait qu'à cette piste-là, là, je pourrais pas finir. Fait qu'on va essayer de quoi d'autre. En théorie, les single track, ça brasse plus. Hein? On va voir. Mettons, je ferai un petit tordu, voir comment que le body va. Là. Je sais pas, de contre-intuitif. Là. Fait que, ouais, 9e lap. Officiellement, c'est mon plus de lap pour mon Saint-Anne en carrière. Présentement, j'ai déjà fait plus de kilomètres. Parce que souvent, on fait le pédalage dans le secteur enduro. Officiellement, c'est le plus de descente que j'ai faite. Tout ce que je fais après, c'est du bonus. On va voir comment que ça va. C'était refaire l'atterrissage, ça. Ouais. Hey, c'est un défi, pour vrai, là. Fait que 9e lap, ça va bien.
Fait que Jean-Claude qui me dit de pas trop vite, là, lui a gagé sur 11, fait qu'il veut comme pas que je dépasse ça. Beaucoup de monde qui ont gagé 13. Je me demande si ça sera pas ça. Fait que ça date, là. J'ai commencé à prendre un peu de retard, là. Mais le calcul, c'est un à pour demi-heure. Mettons, gondole à gondole, incluant les deux, la montée, la descente, le retour. C'est une demi-heure de lap. Fait que là, j'ai commencé à dépasser un peu, c'est certain. Ah, excusez pour les freins, pour vrai, je sais pas ce que mes briques ont. On va renettoyer ça une deuxième fois. Fait que, un lap à la demi-heure, incluant la montée. C'est difficile d'en faire plus que ça. Ou... Ouais, petit tour du complet, on va faire un changement. Ah! On lâche pas les jeunes contre moi. Deuxième lap. La machine commence à être fatiguée. Avec deux boys du Mont-SM que j'ai monté qu'eux autres en avant, des bons riders. Hop. Non, non, ça va, je suis toasté. Seul, merci. Dixième lap. La petite tordue elle a aidé à changer de mal de place, mais il reste que ça cogne. Fait qu'on va continuer avec Vietnam. Baptême. Ah, oh. Le dos va bien. Ah. C'est tenir le guidon avec la gauche, ça va être ça mon... Cheval de bataille, c'est-tu? C'est une expression aussi, bon fou. Ça va bien, juste là qu'il pèse un petit peu. Le matin, j'étais plus en mode course, là, je suis carrément en mode marathon. Je pense que j'avais sous-estimé la tâche à accomplir, et puis surtout sur un enduro, pour vrai, là. Faire ça c'est un full DH, c'est sûr ça serait plus confortable. Puis je me demande si ce ride là, c'est pas ça qui va faire que je vais aller m'en chercher un. T'sais, aucun trouble en trail bike, aucun trouble quand tu fais un nombre de laps normal. Mais tu sais, ça c'est un petit peu plus un exercice d'endurance, mettons, faire ça toute la journée. Est-ce que tu te fatigues plus en enduro, même à 180 en avant? Ça fait que je vais commencer par finir ma journée. Puis après ça, peut-être qu'il y aura un DH. J'y ai pensé beaucoup cette année. On verra. Alors, 11e lap. On approche 3h30. Selon mes calculs, dans une journée normale de 10 à 4, on peut donc en faire 12, peut-être 13 en poussant. C'est pas mal. Le calcul s'embête. Un lap à la demi-heure. Ah, je pense que je l'ai dit tantôt. Ouh, la fatigue embarque. Un lap à la demi-heure, sans mettre le calcul à peu près. J'ai arrêté, tu sais, quelquefois mettre de l'air dans le pneu ou dans la fourche. Faire le plein de bord ou. Pause pipi, mais à date, pas de pause de plus que 5 minutes. Le mental va pas mal mieux là que tantôt. La main commence à prendre sa place. Ça fait que, ouais. Sûrement que les boys de DH qui sont habitués, qui sont ici à tous les week-ends, sûrement qu'ils peuvent faire des journées de 13 laps. Et là, ça, on ajoute le 4 à 7. Je sais pas si mon vidéo va te sortir la semaine prochaine.
Mais il en reste un autre vendredi prochain. Donc, le dernier de la saison, je pense. Il devait en avoir 5 cette année. Fait que, comme plein de monde ne savait pas que ça existait, c'est quand même chill. Si vous finissez de travailler, venez faire quelques laps le vendredi après la job. Ça fait que c'est ça. Je ne sais pas, ça va arrêter combien. Le corps n'a pas encore cassé, c'est bien. On garde le moral. Fait que Jean-Claude, tu embarques dans le gondole une fois de plus, t'as perdu. Fait que next après ça, la gang de 13, là, ça s'en vient, là. Beaucoup de monde avait bêté 13. Tu dis ça de même, là, il est trop tard pour changer votre vote, là. Beaucoup de monde ont voté sous 13. On va voir, il est juste 3h, 3h30. On va voir. Je suis tout seul, merci. Oh, 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 oh. Je suis seul. Merci beaucoup. Ah, petite cocotte. Tu sais, des fois, on voit genre des vidéos genre dans des asiles psychiatriques, genre l'avancement psychologique de quelqu'un. Ah, 12. 12 à 3h49. Fait qu'aujourd'hui, dans une journée régulière, je pense que j'aurais arrêté à 12. Peut-être 13-ish si j'aurais pas pris de pause pour mettre de l'air dans la fourche puis aller chercher des débordants d'eau char, mais... Fait que 13 semble être pas mal le plus que tu peux faire, je crois, dans une journée normale. Peut-être en faisant juste la World Cup, je sais pas. Mais j'ai aucune envie de l'essayer. Alors, 12e lap. Soleil se couche tranquillement sur le Mont-Saint-Anne. On n'est même pas proche d'avoir terminé. Moment de se parler. Il reste encore 3 heures de bike. On reste pour faire encore plein de laps. Fait que je viens de passer le cap du 100 km en bas tantôt en sortant dans le coin de la Grisande, peu importe. Fait que 100 km, c'est officiellement ma sortie de bike la plus longue à vie. Étant pas un gars de route, c'est pas quelque chose que je fais sur une base régulière. À vrai dire, c'est pas quelque chose que je fais. Fait que c'est officiellement ma ride de bike la plus longue ever. Et je vous confirme que la bière va être bonne, mais le moral est très bon. Beaucoup mieux que tantôt. On va dire que dans le coin de 11h30 à peu près, là, je savais pas comment j'allais faire pour m'accrocher à mon guidon puis faire la journée. Petite, comment elle s'appelle celle-là? Ça, le petit chemin de connexion de la Vietnam jusqu'à la Grisante. C'est ça. Je regarde un nom, mais c'est pas grave. Ma fourchette est tellement orange dans mes bras, ça a pas de sens. Fait que c'est ça. Vous autres, qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Moi, je vais faire mon service 50 heures sur ma ZEP parce que est-ce-tu? Aïe aïe! On lâche pas! Alors, où en sommes-nous? 13e descente! La fameuse 13e, il y a beaucoup de monde qui avait bêté sur 13. Ça fait que, sachez que si j'en fais une de plus, ben, vous perdez de la chance. Ça fait que. Ça va quand même très bien. Les avant-bras commencent à faire extrêmement mal. Mais le moral est bon. La main a juste arrêté de faire mal. Là. Je sais pas si c'est la ville de l'Etilena ou c'est l'orgueil qui embarque, là, mais. Alors, tu vas numéro 1. Petite fatigue dans le dos. La colonne en tant que telle va bien. Là, c'est sûr, on perd le soleil. Fait que je sais pas ce que ça va dire pour le dernier 2-3 heures. Là. Mais ça commence à être plus sombre dans le bois. Fait que ça se peut que l'image ne soit pas excellente, je m'en excuse, mais c'est pas moi qui décide ça. Alors, on continue! Hey, alors là! 14! Ah, on a la section de la Vietnam qui vient d'être ouverte il y a comme 2 minutes. Romain, un des employés me disait que j'avais le droit de venir la voir, elle est carrément ouverte. C'est ici, le plus gros module
de l'histoire du Mont-Saint-Anne, j'ai hâte de voir. Belle version revue et repensée de la Vietnam. Ça ici. Ça va faire du bien parce que la place site pour vrai, c'est une place qui a beaucoup, beaucoup de vécu. Disons le dénivelé, puis la manière que la piste a été travaillée. Ça ressemble à peu près à ce que je connaissais de la montagne il y a à peu près 25 ans. Ah non non! Yes! Oh nice! Ok! Fait que là évidemment, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de traces de pneus. Ils font une espèce de premier petit test à savoir qu'est-ce que ça va dire. Par la suite, ils vont travailler, j'imagine. Mais c'est vraiment une place que ça va faire du bien d'avoir un petit refresh. Tu sais, déjà ici, je vois qu'il y a moins de roches que qu'est-ce que je connais. Ouf! Un peu moins de roches. Ah, ça va être intéressant. Yeah, voilà. Salut Romain! 14! Oui! Yes! Il est rendu 5h30, la journée commence à avancer pas mal. J'ai les avant-bras qui sont en feu! Mais on continue jusqu'à la fin. Pour être bien honnête, je pensais pas être capable de faire ça quand on était à peu près 1h l'après-midi. Mais à un certain point, ben, le corps fait mal, puis t'endures, je veux dire. Fait quoi, ouais, si mes chiffres sont exacts, je suis à ma 15e descente. Si c'est pas le cas, je suis à 14. Donc, Strava va confirmer à la fin de la journée. Faisant, vous savez, la mémoire, c'est pas mon fort, mon job, c'est de rider. Donc, je commence à entrevoir un peu la fin de la journée. Je commence à entrevoir un petit peu le genre de chiffre final que ça va donner. Mais j'y pense pas plus que ça pour être bien honnête. Je veux vraiment me concentrer sur mon riding. Je viens de passer le cap du 130 km. J'ai jamais fait autant de bike dans une journée. Je me suis toasté. Et on essaie de pas faire d'erreur, évidemment. Ça. 15e lap, on va faire une petite section qu'on aime bien qui s'appelle la Batman. Ça, en gros, c'est une section qu'habitude on pogne avec la fin de la tordue. Ow! Mais quand t'arrives du chemin d'accès comme ça ici, t'as une petite section de plus que tu fais, t'es revenu un petit peu plus vite dedans pour faire de meilleurs temps, strap. Ah. Donc, il commence à faire noir dans le bois, je le sais, probablement que l'image va commencer à pixeliser. Il n'y a rien que je peux faire avec ça. Ah, oh, putain les bras. On lâche pas. Potentiellement deux descentes encore, je crois. Bon, si je me trompe pas, numéro 16, je suis toasté, il est 6h15. Il en reste moins à faire qu'il y en a de fait. Potentiellement deux encore. Trois va être serré, là. Fait que, c'est ça, mal dans les avant-bras, mais bon, c'est ce qu'on appelle la vie. Ça fait qu'on va voir ça finit à combien. Le chiffre commence à se préciser un peu. Fait que pour long, il va que la 16. Probablement le 17e. Je pense que je suis capable pour un autre. On poussera pas en colon. Mais si je me fais une genre de Vietnam tordu, je pense que je suis capable d'être là pour genre 58 à peu près. Je m'essaie. Petite barbelée rapide. J'ai le temps pour un dernier qui risque d'être le 18e. Je sauterai pas tout. J'ai plus de force dans les bras. Je suis capable. Ah. Aïe, aïe.
J'ai le temps, je suis capable. Ah, oh, Stevie. Ah, facile. Fucking shit. Zut. Bien. 7h16, dernier lap pour Mont-Saint-Anne. On a Dave en avant. Et je suis positivement toasté. Si mon compte est bon, je dois être à 18 descentes. On va juste confirmer si c'est Strava qui va décider. Sinon, c'est 17. Mais je dois être à 18 descentes et je crois que j'accote le record de François Soucy qui le faisait lui-même aujourd'hui. Et donc, on prendra pas ça, on est peut-être plus fatigué. Fait que je sais pas, François, il finit à combien aujourd'hui? Écoute, selon mes calculs, 19 est possible. En haut de ça, faut que tu aies un choix de piste différent, je crois. Fait que 19 est possible. 20. Tu sais, il faudrait plus aller faire, mettons, de la tordue. Toute la journée. La tordue, quand même, assez rapide. J'ai fini avec ça tantôt. J'ai fini avec un lap Vietnam tordu, barbelé, puis ça a été assez efficace. Je suis arrivé, écoute, il me restait 6 minutes pour faire mon dernier lap. Donc, qui a dit 18? Fait que. Je sais qu'il y en a qui ont dit ça. Gros du monde à 17, 18, 19. Fait que je sais pas qui a dit 18. Je vais confirmer en bas avec Strava. Pour là, je fais un lap pour moi-même. Là, je veux dire. J'ai les avant-bras qui me font mal. Ça n'a aucun sens. Je dois être à 158 km aujourd'hui. J'ai jamais fait ça. Fait qu'on y va tranquillement. J'ai plus rien à vous prouver ou à me prouver. Ça fait qu'on va aller finir avec une petite érablière qui va juste rajouter un petit peu plus de kilométrage. Je vais essayer de la filmer en passant, mais là, il va commencer à faire noir. En plus, on a les fins de forêt à Jasper. Fait que le soleil a été beaucoup caché. Ça fait que, mettons que c'est la fin de cette vidéo-là, je veux dire un immense merci au Mont-Saint-Anne pour le petit bundle de prix qu'ils m'ont fourni. Quasiment 450$. Donc, un gros merci Mont-Saint-Anne, Dakine. Fait qu'on a un ou une chanceuse qui va se mériter une paire de billets de DH toute la journée au Mont-Saint-Anne. Un beau petit kit Dakine avec une ceinture de taille, genre casquette, portefeuille, tu sais, un beau petit bundle cool. Un certificat cadeau d'une valeur de 100$. Fait que j'espère que le ou la gagnante va être contente. De mon côté, je suis toasté et je me clenche une IPA en arrivant au char. Astifi! Donc sur ce, je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir. Peut-être lundi prochain, sûrement. Première érablière de l'année, si Paul, ça manque à ma culture. Puisque j'adore. Mais c'est parfait entre technique et vitesse. Oh, il y a de l'enrochement qui a été fait. Ah ouais, c'est bien cool. Ça. Évidemment. On va y aller très intelligemment parce qu'il commence à faire noir. Il est un petit peu 7h20 le soir, puis il y aura probablement plus grand monde qui va passer ici. Et il fait probablement très noir, fait que sûrement que vous ne voyez rien de toute façon. Et de 166 km. Jusqu'à temps qu'il y ait un juge qui confirme,
probablement 18 laps. Et je veux mourir. Mais ça valait la peine, puis c'est que la bière est bonne.